Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, je vais parler des petits problèmes qui est sur la chaîne qu'il y a. Quand je parle de problèmes, c'est par des petits jeunes qui sont derrière un ordinateur en train d'insulter les gens, qui n'est pas normal. Vous mettez à chaque fois j'aime pas, j'aime pas. Bon, j'aime pas trop, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a même une des vidéos qui a 1200 j'aime pas. Bref, 1200 j'aime pas quand même, c'est un peu ridicule de votre part parce que vous-même, vous faites le style d'être intelligent, en réalité, vous faites les mêmes erreurs, même pire, mais bon bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout simplement, quand on fait des vidéos entre sur Internet, on est là pour s'aider dans certaines choses. Tout simplement, vous êtes là que pour critiquer, il y a 365 d'après ce que j'ai vu, 364 même, on ne sait pas, on ne sait rien, mais bon, abonnés. Et dans les 364 ou 65, il y en a une petite partie qui sont très très bien. Voilà, il y a une petite partie qui sont très bien. Mais ceux qui sont ridicules, il y en a pas mal, hein. Franchement pas mal. Et ça, faut dire merci à Papy Tricot parce que c'est lui qui les a balancés le plus. J'ai rien contre lui, mais bon. Bref, je ne suis pas là pour insulter, je suis là pour faire comprendre. J'ai même des personnes un peu étranges, mais bon, c'est pas grave, c'est bon. Le problème, c'est que vous ne respectez pas vous-même déjà. Hein, vous dites meilleur, vous faites les meilleures vidéos que tout le monde, que quiconque. Comme d'habitude. Et quand on regarde, vous n'avez pas ce respect. Bref. Donc, tout simplement. Alors, moi, je fais mes efforts. Comme je vous explique, je fais beaucoup de choses. Je fais de la musique, je fais ceci, cela. J'essaie de faire du journalisme un peu plus proprement, je parle de l'affaire Théo que je trouve que c'est pas normal. Et je suis contre la violence, bien sûr. Et donc, ce qui est un peu étrange dans cette histoire, c'est que vous êtes là pour insulter, injurier, c'est tout ce que vous savez faire. Bref, j'ai barré un peu les injures, parce que les injures c'est stop, c'est fatigant. Donc je bloque. Alors même il y en a qui écrivent bizarrement, mais bon, c'est leur problème. Alors. Il y en a un qui m'a posé une question, je n'ai pas répondu parce que ça me saoulait. Je le précise bien en plus que je fais de l'information à la base. Je fais de l'information mais je rajoute un peu. Je mets des explications sur certains appareils. Je mets des explications sur autre chose. Et bien sûr, voilà. Donc je fais un peu tout sur mon type. Donc c'est tout simple. Bref. C'est agaçant quoi, c'est parce que je suis handicapé, je suis nul, pour vous c'est ça quoi. Et le problème dans cette cervelle, c'est que vous êtes beaucoup plus nul que moi, tout simplement. Vous n'avez aucun respect, alors je peux vous garantir que vous n'en aurez aucun respect bientôt, ça c'est sûr. Bref. Donc voilà, quelques petits trucs étranges qui ne me plaît pas, mais bon c'est pas fini. Hein, c'est pas fini, il y a plein d'autres choses. Que je tolère pas. Et il y a aussi des tolérances que je respecte et l'autre que je ne respecte pas. Bon, parce que je trouve que c'est pas normal. Donc dans ce domaine, sur ma propre chaîne YouTube, franchement, j'avais bien démarré correctement, si je veux dire. Bon, j'ai eu des accrochages qui n'arrivent pas à avoir d'accrochage. Donc voilà. Comme certains qui disaient ouais la DSL c'est pas vrai, on a besoin de mettre une antenne, datadit, c'est faux, c'est pas une obligation, sauf si bien sûr vous n'avez pas assez de débit, et que moi j'ai assez de débit. Donc des choses comme ça, faut arrêter de dire des conneries. Quoi, je suis passé par là. Et celui qui a un débit de 100 mégaoctets ou de 200 mégaoctets, c'est un peu ridicule de prendre une antenne. Parce que vous n'en avez pas vraiment besoin du tout. Vous n'avez aucune utilité. Parce que vous passez à la fibre optique. Je vois pas la logique, mais bref. Ça, c'est de la débilité totale. Voilà. C'est ça, la débilité totale. On sait tout faire, mais on sait rien faire. Même si vous êtes performant sur en informatique. Bref. Voilà. Il y a des choses que vous êtes nuls. Que vous ne voyez pas. Alors, on me pose une question, moi je réponds à la question. Mais on n'insulte pas. Moi, je suis pas là pour faire insulter. C'est pour ça que je vous ai considéré comme mitard, tout simplement. Bref.
Donc voilà ce que je peux dire. Et franchement, pour éviter d'écrire n'importe quoi. Avant que je quitte, je vais adresser à quelqu'un qui me connaît assez bien, qui me suivait beaucoup même. Je ne sais pas si je suis encore, mais moi j'ai regardé tout à l'heure. C'est DJ Tigre, 33. Et c'était son pseudo. Eh ben écoute, t'as fait une faute à Orage. Hein. Tu peux regarder, tu peux rectifier, tu as le droit de le rectifier sur ton portail. Hein, moi c'est ce que je fais à chaque fois qu'on fait une erreur. Mais il y a des endroits, quand on fait une erreur, on fait une erreur. Hein. Là, voilà, c'est pour vous dire, c'est que vous aussi vous faites des fautes. C'est pas que vous êtes au lycée que vous êtes les meilleurs. Hein. Faut arrêter de dire des conneries, hein. Tout le monde a des fautes en français. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est pas la peine de critiquer les autres. Bye bye, à plus.